Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui, direction l'Angleterre et la Première Ligue, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée de championnat. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager tous mes pronostics sur les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisée, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait tout de suite le bilan des pronostics de la 5e journée de Première Ligue et on réalise un ratio pronostic sécurisé de 7 sur 10. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinnacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette 6e journée de Première Ligue, direction Chelsea, les Blues affrontent ce samedi à 13h30 Manchester City. Impressionnant depuis l'arrivée sur le banc de Thomas Tuchel en janvier dernier, Chelsea réalise pour l'instant un superbe début de saison et occupe avant ce match la tête de Première Ligue avec 13 points pris en 5 journées. Hormis le match nul contre Liverpool, Chelsea a gagné tous les autres, 3-0 contre Crystal Palace, 3-0 contre Aston Villa ou encore une fois 3-0 sur la pelouse de Tottenham. En face, on a le champion d'Angleterre en titre, les Sky Blues sont actuellement 5e du championnat avec 3 points de retard sur Chelsea. Les Citizens restent sur un mauvais nul 0-0 contre Southampton. Les hommes de Guardiola doivent donc réagir, ce ne sera pas facile à Stamford Bridge. Mon point de vue, match nul un partout avec tout de même un avantage de sécurisation aux locaux. Second match, toujours à 13h30, direction le stade Old Trafford, Manchester United reçoit Aston Villa. Alors certes, Manchester vient de se faire sortir en EFL Cup dès son entrée en lice contre West Ham 1-0. Les Red Devils ont également perdu leur premier match de Ligue des Champions, mais malgré ces deux défaites en championnat, ils sont intraitables. Ils pointent à la 3e place à égalité de points avec Chelsea et Liverpool. Les Mancuniens auront donc l'intention de prendre les 3 points à domicile, ils pourront compter sur Cristiano Ronaldo qui fait un retour énorme. Mon point de vue, en pleine confiance, Manchester pourra compter sur le soutien de son public pour remporter un 4e match de suite en Première Ligue. Selon moi, il devrait gagner sans trop de soucis, 3-0. Everton, Norwich. D'un côté, les locaux Everton qui après 3 victoires, 1 nul et 1 défaite pointent en 6e position. Ils reçoivent la lanterne rouge de Première Ligue, Norwich qui n'a toujours pas pris le moindre point cette saison, 5 défaites en 5 matchs. En toute logique et au vu de la forme des deux équipes, je vais partir sur un succès des Toffees, 1-0. Belle surprise, l'an passé, Leeds peine à confirmer cette nouvelle saison. Les hommes de Bielsa figurent pour l'instant en 17e position avec seulement 3 points pris au compteur, toujours aucune victoire du côté de Leeds. Et en face, on a le surprenant 6e de l'an passé en Première Ligue, West Ham espère forcément confirmer cette saison. Actuellement 8e au classement avec 8 points pris en 5 matchs, les Hammers ont parfaitement débuté le championnat en gagnant leurs 2 premiers matchs à Newcastle 4-2 puis contre Leicester 4-1. Ils sont moins performants depuis quelques matchs, le déplacement à Leeds ne sera pas facile, je vois même les locaux prendre l'avantage 2-1. Leicester, Burnley. Finissant à la 5e place lors des 2 saisons passées, les Foxes sont donc passés 2 fois tout près d'une qualification en Ligue des Champions. Cette saison, Leicester, je trouve, a déjà perdu pas mal de points plutôt importants et pointe actuellement à une triste 12e place, déjà 3 défaites en 5 matchs contre West Ham, Manchester City et Brighton 2-1. Ils auront l'occasion de prendre 3 points avec la réception du 19e Burnley, équipe qui paraît forcément largement à leur portée. Je vais partir ici sur un succès logique de Leicester, 2-0. De retour en Première Ligue, l'ambition principale de Watford est clairement de se maintenir en fin de saison. Actuel 11e après 5 journées, les hommes de Cisco ont bien débuté le championnat en battant Aston Villa 3-2 avant d'enchaîner 3 revers à Brighton, Tottenham et Wolverhampton.
Ils ont en revanche réagi le week-end dernier avec un succès important contre l'autre promu Norwich 3-1, réalisant ainsi une belle opération face à un concurrent direct pour le maintien. Ce week-end, Watford reçoit une équipe qui est en difficulté depuis la saison passée, les Magpies de Newcastle. Et malgré la forme qui est plutôt du côté des locaux, je vais partir ici sur la première victoire de Newcastle, 2-1. Pour ce 7e match, on a les Reds de Liverpool qui se déplacent chez le promu Brentford. Équipe surprenante, Brentford fait bonne impression et occupe pour l'instant la 9e place au classement, une seule défaite en 5 journées. Je pense que ce week-end contre Liverpool ce sera plutôt compliqué pour les locaux. Les hommes de Jurgen Klopp sont vraiment en forme et occupent la place de dauphin au classement. Sans surprise, Liverpool devrait faire parler l'expérience pour s'imposer, je vais dire 2-0. On a pour ce match deux équipes en difficulté, respectivement 15e et 16e. D'un côté, Southampton qui court toujours après son premier succès, et de l'autre côté, les Loups de Wolverhampton qui en 5 journées possèdent un triste bilan, une victoire et 4 défaites. Je vais partir ici sur un match nul 2-2 avec un avantage aux locaux. Belle affiche pour ce 9e match, Arsenal-Tottenham. Après une saison passée ratée ponctuée d'une 8e place au classement et donc d'aucune qualification en Coupe d'Europe, les Gunners ont très mal débuté ce nouvel exercice en signant d'entrée 3 défaites de suite sans marquer le moindre but. Mais depuis, les hommes d'Arteta ont bien réagi, toutes compétitions confondues, ils restent sur 4 victoires consécutives sans prendre de but contre Brentford, Norwich, Burnley et Wimbledon. En face, Tottenham, équipe similaire l'an passé avec une saison moyenne et une 7e place, réalise pour l'instant l'inverse d'Arsenal. Un bon début de saison avec 3 victoires et ensuite 2 défaites contre Crystal Palace et Chelsea, les deux fois sur le score de 3-0. Ma conclusion pour ce match, affiche plutôt difficile à pronostiquer, je vais partir sur un score nul 2-2 avec un avantage pour Arsenal. 10e et dernier match de cette 6e journée en Angleterre, le 14e Crystal Palace reçoit le surprenant Brighton, 4e. Malgré la bonne forme de Brighton en ce début de saison, je vais ici partir sur un succès de Crystal Palace, 3-2. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinnacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.